depuis le premier but sur le maillot toulousain. Ce soir, au Stade de France en finale, face à l'excellente. 22 ans seulement. Et qui donne l'avantage au TFC. Que d'habitude Anthony Roux est préféré dans l'axe dans son association avec Nicolas Hyssen et bien. Et d'ailleurs Stéphane, si on prend la globalité de l'effectif toulousain, il y a 20 nationalités différentes au TFC. Et ce soir il y en a 7 sur le terrain, 7 nationalités différentes. Mais ça n'a pas empêché Philippe Montagnier de créer une vraie cohésion dans cette équipe et dans cet effectif. Et ils sont en train de le démontrer ce soir. Car pour l'instant, et notre nouveau pour le garde Costa tout seul. Il ne peut absolument rien, elle va la fond. Avec cette tête à bout pourtant, sous la barre. Avant l'intervention de l'enfant, le ballon était déjà rentré, il était déjà but. Mais voilà, ça confirme encore que Toulouse est vraiment, vraiment redoutable sur coup de pied arrêté. Et de la bouffon à corner, et ça fait 2-1. Et les Nantais sont déstabilisés par les combinaisons toulousaines parce que ce soir, sur le premier ou le deuxième but, il y a un vrai système qui est annoncé par le Gat Costa avec Selby. On voit les mouvements dans cette équipe toulousaine et les Nantais n'y arrivent pas au marquage. Et 10 ans de victoire seulement lors des deux derniers mois, chaque fois contre France face à Lens et Lyon. Pour le reste, c'est beaucoup plus compliqué. Un peu policier à l'instant. Ce soir. Ouais, on voit. La pelouse du Stade de France, on voit une équipe nantaise crispée qui a du mal à se libérer. Ça se voit mal. Géronto, loin devant, en direction de Moses Simon. Le but de 3 juillet, c'est 3-0 Lina.